Monsters are my dad. I said it, don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode sur la map Michelhausen. Donc je suis en compagnie de Bruno. Salut à toi, salut tout le monde. Donc pourquoi il est dans le tracteur? C'est parce que tout simplement s'il descend je le vois pas, il doit y avoir un bug de désynchro. Là, je suis descendu, enfin, bref, voilà, là il est descendu, on le voit pas, c'est pas grave. De David. Salut Val, salut tout le monde. Et de notre expert moissonneur, JB. Salut à tous. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Donc moi et Bruno, on va vous présenter un petit peu le corps de ferme de cette carte, histoire que David, qui est en train de presser, prenne de l'avance et que JB ben, puisse prendre de l'avance à la moisson. On leur a mis deux bennes en haut et puis après, moi j'irai presser et puis Bruno va piloter le Merlot. Lol, ça rime, j'ai même pas fait exprès. Et David, il va piloter le... Je prends maintenant le Merlot. Le 933, mais non, on présente d'abord. Ah, d'accord. Alors, la remorque là qui marche très bien en multi, sauf vous aurez pu voir sur Westbridge Design qu'on a eu que des problèmes avec les Botrons, enfin bref. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à vous présenter un peu là, le corps de ferme. Donc, ici, on a le stockage de fumier. Là où j'ai l'Amazon, j'en déduis que c'est pour remplir le pulvée. Ça serait logique ça. Bah, les semences sont juste devant, donc voilà, tout est regroupé. Fosse à lisier, bon, ça c'est sûr, faut pas être ingénieur pour le voir. Donc ici, on a un silo d'ensilage. Donc JB, si je dis pas de conneries, parce que toi tu connais mieux la map que nous tous réunis. Le préavage derrière, là les vaches elles se promènent et devant il y a leur stabulation, c'est ça? C'est ça. Ok, donc ici, et c'est, ils ont deux stabules, c'est ça? Ouais. Ok. Faudrait que tu fasses voir aussi c'est le coin à moutons, parce qu'apparemment on peut payer les moutons. D'accord. Donc ici on a la première stabule, et de l'autre côté, juste ici, on a la deuxième stabule. Donc on découvrira comment les nourrir bah, quand on commencera à les nourrir. Hein. Parce que là je pense qu'on peut pas curer le fumier, si? Je sais pas, j'ai pas encore un test. Bah attends voir, je vais faire un test. Si c'est sur la base de la Holzhausen, donc je pense que sur la Holzhausen on peut le faire, donc je pense qu'il l'a mis. Hein. Bah déjà que là on ne peut pas ouvrir les portes, donc ça m'étonnerait qu'on puisse curer quoi que ce soit. Ah ouais, moi je suis, attention, je suis bilingue. T'es bilingue? Bilingue, trilingue. Alors, si je dis pas de conneries, il y a plusieurs biogaz. Ouais, il y en a deux. Ouais, il y a deux biogaz sur la carte. Il y a non, mais deux, points de, deux, trois points de vente différents et énormément de champs qui sont plus ou moins de toute taille. Donc ça, c'est un peu ce qui nous a séduit, on va dire. Parce que c'est vrai que sur Two River, les champs pouvaient être plus grands. Enfin, en fait, moi, j'avais l'impression, c'est ce que je disais à David, qu'on n'avançait pas sur cette carte. On faisait des épisodes, mais on n'avançait pas, je trouve. Enfin, je sais pas. Peut-être moi qui délire, mais bon. Sur quelle carte déjà? Two River, qu'on faisait sur serveur là. Ouais, c'est vrai, ouais. J'avais l'impression qu'on n'avançait pas. Donc là, il y a énormément de stockage, de rangement et tout ce genre de conneries. Après, peut-être le petit défaut, ça c'est ce que Bruno disait, c'est qu'il manque au moins un bâtiment pour stocker moissonneuse par exemple. Ouais, un grand bâtiment, mais bon. Voilà. Donc ici, il y a encore un énorme silo d'ensilage. Juste de l'autre côté de la route, il y en a encore deux. Donc le mec, je sais pas ce qu'il avait avec l'ensilage, mais il aimait ça. Hein. Il aime bien. Hein. Allez, il y a beaucoup de maïs quand même. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ici, il y a encore un peu de stockage, cuve à gasoil, voilà. Là, il y a deux bâtiments qui servent à rien, mais ils sont là. Donc ça, c'est pour essentiellement le corps de ferme. Voilà, après, vous découvrirez un petit peu la suite de la map avec nous, à travers les épisodes, tout simplement. Donc bon, ben bah, écoute, si David... Si je peux faire une petite précision, je pense oui, fais une précision précise. Je crois qu'il y aura la chaux dans la prochaine version, au ouais. Niveau du port. Ouais, exactement, ouais, ça c'est ce que bon, JB salut. M'avait dit. Lol, JB. Je monte dans le Merlot. Ouais. Bah mais c'est bizarre cette benne là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Chaque fois que j'arrive à côté, je sais pas. Tu la vois allumée toi? Non, elle est éteinte. David. Non, si, je vois en fait. Ouais, elle est éteinte, vous regarderez dans la vidéo. Je vous assure qu'elle est éteinte chez moi. Mais on la voit allumée nous. T'as bah écoute, je vais prendre ton tracteur, David. Hop là, PK, tu vas pouvoir rejoindre Bruno. Ouais. Allez, hop, j'arrive avec le Merlot. Ouais, Bruno il a déjà le Merlot. Donc là en fait on fait la totale. C'est-à-dire on moissonne, on presse, on ramasse, on stocke. Enfin bref, là on fait du rendement. Là. Tout ce que JB aime bien. Merde. Rentabilité et rentabilité les gars. On va essayer déjà si on n'a pas de problème. Productivité à rentabilité. Ouais. Bon, enfin, bah, si là on a des problèmes, ça serait qu'avec les bottes, mais je deviendrais 5D, je pense. Là.
On va refaire le test. Hein. Prends un briquet. Tu fous le feu aux gens de blé tout de suite. En plus, le truc qui est bête, c'est que dans cette map-là, il n'y a pas de stockage en vrac, donc ça sera forcément en bot. Ouais, voilà, mais si on le fait en bot carré, logiquement, ah ouais, ça devrait aller. Oui, il n'y aura pas de problème. Parce que c'est vrai que le seul problème, c'était vraiment les bots rondes. Bah, vous verrez ça dans l'épisode de Westbridge. Où là, effectivement, on a eu des problèmes. Mais sinon, à part ça, ça va. Et mais j'ai l'impression, putain, que j'en sors des bots quand même. Ouais, il y a du rendement. Tant mieux, hein. On va pas se plaindre. Donc il y a du rendement, c'est bon ça. Et là vous êtes au champ 48 ou 53 48 on 48. Est là. Ah, de toute façon d'accord. On est dans le secteur parce que c'est là qu'il y a du blé. D'accord. Non JB, tu peux pas décharger dans ma maçonne dans ma presse. Je peux pas part pour aller à l'autre. Par contre le petit tracteur, la petite benne à mon avis, la deux essieux va être pleine. La deux essieux va être pleine. Oh bah ouais, je vais pas lui mettre deux trémies. Ouais ce bon, que je vais faire, t'as la trois essieux encore, donc ça va. Je vais aller. Tu veux quoi, JB? Tu veux que j'aille chercher le gros? Non, va suffire, mais ce qu'il y a, c'est que le temps que tu sais, tu. Comme les champs sont pas trop grands, toi tu peux poser le plateau à Bruno, tu sais. C'est ce que je viens de faire. Et puis après, quand tu te mets des plaines, bah, tu vas la vider, tu sais. Ouais, t'as bien. Et puis moi, le temps que si j'ai plus d'andin, je peux toujours lui avancer la remorque à Bruno. Par contre, Bruno, je pense que l'idéal, ça serait de que tu les mettes deux par deux. Ouais. Les unes sur les autres, tu vois. Deux par Dieu. Je m'en doutais de celle-là. Mais... Oh la gueule. Oh la gueule. Mais je m'en doutais, mais laisse tomber. Je suis plein. Merde, c'est sur risque qu'on a plus déjà. Alors. Attends. Où est-ce que. Tu vides à la ferme ou tu vends? Bah écoute, qu'est-ce qu'il y a le plus près là? Faut stocker à la ferme. Bah stock à la ferme pour l'instant. On n'a pas besoin de sous, on va dire, très spécialement. Donc en fait dans cet épisode on va être un peu polyvalent, c'est-à-dire on peut sauter de la presse. Tu vois Bruno, j'ai mis le plateau de l'autre côté là-bas. Ah bah d'accord. Ah bah va il ramène. Ok. Oh l'organisation les gars. Bah, attends, c'est ça qu'il faut. Hein. C'est ce qu'il faut, hein, ça croit. Hein. Bon, je vais te le mettre ici, comme ça je dérange pas JB. Ouais mets-le comme ça ouais. On tourne. De toute façon avec le Manitou ça va, t'arriveras bien à le mettre. Ouais. Donc je sais pas ce que vous en pensez les abonnés. Ça Bruno va aussi nous le dire. Mais franchement ce reskinage du Liber en Merlot, moi je trouve qu'il a super bien fait le mec. Ouais il est superbe. Même l'intérieur il est super bien fait, tu l'as fait voir? Ouais attends je vais le faire voir vite fait. Hop. Regardez un petit peu l'intérieur, il a vraiment même reskiné l'intérieur et franchement c'est vrai qu'il l'a bien fait. Et t'as une bonne visibilité en hauteur avec ce Manitou, tu peux je pense bien. Ah bah maintenant je te revois dehors Bruno tu vois. Ah tiens coucou ça va. Bah, maintenant je te revois plus. Ah bah merde. Ah la poulette. moi on m'appelle l'homme invisible. Ouais c'est clair. Fantomas. Allez c'est parti. Alors moi ce qui m'arrive souvent en solo c'est quand je presse les bottes elles font des tourbillons derrière, elles s'envolent tu sais, elles retombent. Ça c'est pas mal. Ah bon? Je regarderai dans une vidéo sur Gorse Goa, l'épisode 9, quand je le publierai, je pressais du foin, tu vas rigoler. Ouais, font 360 degrés certainement. Tu te souviens quand on avait commencé au début là, sur la map américaine là. Ouais. La Wedge Bridge, c'est ça hein. Ouais. Sur le 13, ouais. Les auréoles derrière, je sais pas si tu te souviens. Les auréoles. Ici, quand on faisait la moisson avec la John Deere. Ah oui. Exact, ouais. Il y avait des auréoles derrière en fumée, des ronds, comme des ronds de clope. Ouais, exact, ouais. Là, c'était pas mal. Bah là, ça a l'air de fonctionner bien avec les bottes carrées, là. Ouais, t'arrives à les mettre et tout? Ah ouais, attends. Bon, bah tant mieux, hein. On va pas se plaindre. Non. Je vais vous montrer aussi, les amis, ce plateau, la petite particularité qu'il a, pour ceux qui ne l'ont peut-être jamais vu. Donc, il est sur le site officiel, je tiens à le préciser. Vous pourrez le trouver là-bas. Et en fait, vous pouvez descendre les deux côtés, c'est pas mal, ça permet de tenir les bottes, quoi. Et moi, c'est ça que je trouve relativement sympa. Tu t'en sors, David? T'es pas perdu? Oui, non. Elles ont l'air de bien tenir sur la remorque. Ah bah écoute. On va croiser les doigts pour que ça réussisse. Bah je te le laisse là en bas, JB. Hein. Ouais. Je te le décale juste pour pas qu'il te fasse chier. Voilà, je l'éteins. J'aime bien, je descends du 7000, je laisse la presse allumée et tout. Ah, je connais rien, moi.
erreur. Mais limite, en fait, j'aurais pu être plus intelligent que ça. Mais bon, c'est pas grave. J'aurais dû dire limite ce que j'aurais pu faire. Mais merde, j'ai pas branché ma manette comme un con. Parce que sinon, j'aurais dit, bon, j'aurais pris le 6000, tu sais, je te les aurais mis deux par deux. Non, tu me fais pas ta vanne pourrie, JB, s'il te plaît. J'ai rien dit. Hein. Oui, mais je te sentais venir. Non, le deux par deux, je le sentais aussi. Ouais, je le sentais, gros. Ouais, mais non. Ah, mais il l'a déjà sorti. Ouais. Sortira autre chose après. Ouais. Moi, je vais switcher dans le fen. Alors, attends. Ça, c'est tout est en collision. C'est ça qui est bien. Ouais. Attends, je te ramène le plateau, Bruno. Tu es déjà. Si tu veux, t'es où? Ah, t'es là. Ouais, ouais. Je vais me placer. Bien plat, tu vois. Je vais tout de suite me placer par là. Pour éviter que t'aies besoin de faire 150 000 manœuvres, tu vois. Ouais, elle bouge pas, hein. Ils ont l'air c'est comment ça fait beaucoup. Mais là, je les ai attachés, là. Ah, ok. C'est okay. Comment ça fait beaucoup de manœuvres, ça, 150 000. Lol. Ouais, tu vois, si tu les prends bien. Ça va le faire. Vas-y, tu peux avancer encore. Hein. Oh, ah, va un peu à droite. Voilà. Normalement, ça... par contre, tu devrais Attends. Attends, tu veux que je détache? Ouais, détache un peu pour voir. Vas-y. Voilà. Voilà, là, t'es bien. Voilà. T'es sûr? Ouais, tu peux lâcher, là, t'es bien. Voilà, tu prends. Oh, quelle maîtrise! Là, tu peux rattacher, là. Ouais, bah, à la rigueur, je vais te les laisser attacher. Par contre, est-ce que tu peux m'avancer le tracteur pour qu'il soit un peu plus. Le mec, il touche la bille. Bien droit. Ah, c'est bon, hein. J'ai pas les chevilles qui enflent quand même. Non, non. Bah, du moment que tu restes réaliste, non. J'essaye. Il y avait longtemps que j'avais pas fait ça. Hein. De quoi? Bah, mettre des bottes. Ah ouais? Ouais, oh, j'en fais plus tellement non plus, moi. Ouais, c'est sûr, mais là, si on voit que ça va, bah écoute. Ouais, je pense que les bottes carrées, c'est un peu plus facile. Ouais. C'est sûr que c'est pas la même chose. Vous avez pensé quelle pointure? Après, il y en a qui trop oh, putain. Ça marchait bien. Moi, j'y crois pas. Alors, quand je suis curieux, il me semble, si je dis pas de conneries, qu'on peut encore, après, une fois qu'on a fait les longues des hauteurs de 2, tu vois, après, on peut encore en mettre une boîte sur le tout. Ouais. On peut monter sur 3, en fait. Ah, je pense, hein. Ah, ouais. Dans l'autre sens, non? Non, non, tu sais comment comme tu les mets, sauf que tu mets une dessus, encore. En hauteur. Voilà. Attends, j'avance comme ça, t'as pas besoin. Ah, nickel. Pas de ça, autant. Je vais d'abord mettre le fond, hein. Ouais, tu peux mettre devant aussi, c'est comme tu veux. Tu vois, par contre, j'avais oublié de les attacher, elle a un peu glissé, maintenant je laisse attacher la charge. Comme ça, ça bouge plus. Hein. Donc maintenant, je les laisse attacher, comme ça. Moi, je me base à l'ombre. Il y a une ombre, normalement. Bah ouais, effectivement. C'est vrai que depuis Bruno, il m'a donné cette technique-là, j'utilise beaucoup aussi. Ça aide. À l'ombre, ouais. Marche à l'ombre. Marche à l'ombre. Ah, mais je sais pourquoi qu'elle a glissé, en fait, Bruno. Non, tu sais pourquoi? Parce que si tu regardes bien la barre qui est tout en haut, on aurait dû la descendre un petit peu. Ah, parce que la botte en bas. Tu la mets à hauteur, essaie de la mettre à hauteur de la botte pour voir. Je vais essayer, hein. Mais fais gaffe parce que ça risque de cracher. Alors attends. Non. Regarde, attends. C'est quelle touche? C'est la K, non? Ah non, c'est le mauvais que je suis en train de faire. C'est le virgule, je crois. Ouais, c'est bon, vas-y. Ouais, c'est bon, stop, tu peux arrêter là. Ça se trouve, ça va le faire. Là, j'ai relâché. Là, il faudrait que tu rattaches pour voir. Oh merde! Ah, ça, c'est. Ça, c'est à cause du fait que j'ai bougé la barrière. Ouais. Bah, attends, bouge pas, je la replace. Oh merde! Salope. Oh là 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 là. Ah, c'est bon. Oh non! On dit pas ce mot-là, on dit femme qui aime ça. Attends, j'ai rattaché, je détache, vas-y. Détache. Putain, on va être emmerdé, non? Putain, ça marchait trop bien. Tu me dis quand t'as attaché, hein. Là, j'ai attaché, là. Vas-y. Ouais, mais twist. Ouais, bah, c'est vrai, ça marche pas, hein. Attends, je vois. Putain, non. Non, mais ça, c'est parce que j'aurais pas dû toucher à la ridelle, je pense. Ouais, touche plus. Bah, c'est ce qu'on a fait hier avec JB. Ça a craché tout de suite. Ouais. Ça a craché? Bah, c'est pas que ça a craché, c'est que ça a bougé, quoi. Ouais, ouais, elles sont barrées et tout, enfin... Bah écoute, sinon, Bruno, ce que tu fais, tu t'emmerdes pas. Les deux qui se sont bien posés dans le mauvais sens. Ouais, je vais les reprendre, t'inquiète. Je vais en prendre une là, je vais la foutre en hauteur, regarde bien. Non, je vais la poser là, devant, des deux autres. Là, ouais, au-dessus des deux autres, ouais.
Alors en fait, ce qu'il faut qu'on trouve comme technique avec ce plateau, c'est comme on peut attacher les bottes, c'est il faut qu'on trouve, est-ce que c'est mieux de les mettre sans attacher? Tu vois, c'est ça qu'il faut en fait, les amis. Ah, moi, je pense qu'il faut mettre les sans attacher, je pense. Ouais, je pense aussi. Ouais. Parce que ce qu'on a fait, nous, hier avec JB, ça tenait très bien, c'est qu'elles étaient toujours attachées. Et il les mettait au fur et à mesure. Mais parce que tu vois, là, Bruno, je les ai... elles sont pas attachées, ça bouge, tu vois. Ouais. Il faut les attacher. Là... Oups. J'aurais dû attacher. Ah, bah ouais, j'aurais dû attacher. Attends. Ah, est-ce que si t'attaches, tu détaches, alors, ça les fait bouger. On a regardé hier. Du coup, ça fait un bug. Du coup, on va un bug 8000. Tout de suite mettre correctement cette truc là. Ouais. Comme ça, c'est à peu près bon, je pense, la hauteur là. Ouais, 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 c'est bon ça. Là, ça doit être bon. Ah, désolé, hein, les abonnés. Hein. On va avoir fait un plateau qu'on va avoir fini tous les champs de la map. Vas-y, attends, faut que je rattache là. Ouais, vas-y, rattache. Normalement, c'est bon là. Non ? Il faut que tu déverses un peu ton godet. Ah ouais, il est pas droit. Voilà, là j'attache. Par contre, tu vois, regarde. Détache. Vas-y. Vas-y. Non. Détache. La benne est pleine. Ok. C'est détaché là. Attends, je crois. Bon ouais, ouais, c'est détaché là. Par contre, c'est quoi que elle reste, elle reste de l'or. Ah, attends, attends. Je vais faire la parcelle là-bas. Je pense que c'est à cause de ça. Ouais, bah remets-le en hauteur. Tu vois, regarde, elle se lève quand tu lèves. Il y aura un souci au niveau des barres. Là. Attends. Bah, elle veut pas attacher, c'est quoi ce bordel là? Sinon, sors ton bras et pousse là dehors par en bas si ça va pas. Attends. Moi je veux bien, hein. Mais ouais. Ça. T'as vu ce que ça fait? Mais il faut que tu détaches ton bordel. Ouais, je détache, ouais. Wow, ouais, c'est bizarre quand même. Vas-y, pousse encore. C'est bon. Bon, alors je dirais bien une chose, mais je sais pas. Qu'est-ce que tu vas nous dire encore? Non, mais ça marchait bien. Non, mais à mon avis, il faut mettre le plateau en plein milieu du champ. Ouais. Baisser les barres de chaque côté. Rester appuyé sur X et charger comme ça. Tu et crois? Une fois que tout est chargé, tu remontes les barres des deux côtés. Tu penses, toi? Quand tout est attaché, ouais. Bah écoute, on essaye et puis c'est tout, hein. Je vais le mettre là. Donc fais gaffe à l'ouverture si tu ouvres tes barres, que ça se casse pas la gueule. Voilà. Donc je laisse en position. Bah pour l'instant je peux pas attacher. Faut laisser en position attachée. Hein. Bah là je peux pas, y a pas de botte dessus. Ah oui, mais sinon faut laisser en position attachée. Là je descends les deux barres de chaque côté. Ce qu'il y a c'est qu'il faut bien mettre la botte du premier coup parce qu'une fois qu'elle est attachée au plateau. Ah tu peux plus l'enlever, ouais. C'est foutu. Hein. Ok, donc là. Je peux pas attacher la charge parce que tout simplement il a pas mis de botte. Hein. Une fois qu'il a mis les deux premières, j'attacherai la charge et puis basta. Bah écoute, du coup, ce que je vais faire, je vais avancer. Comme j'ai rien dessus. Hein. Voilà. Et après, sinon, il me semble que t'as réactivé le Brandtner aussi là, non? Ouais, ouais. Sinon, pire des cas, on essaye avec celui-là aussi. Parce que celui-là, je sais qu'on avait fait, toi, JB. Hein. Et celui-là elle est aussi très bien. C'est juste à mon avis avec les barres qu'il faut qu'on apprenne comment ça marche en fait. Je pense après hein. Et hop j'en ai deux. Moi aussi normal, hein. Donc là JB quand il les met j'attache et puis je laisse attacher quoi. Ouais okay, moi aussi ouais. J'en ai deux hein, comme papa. Oh. Vas-y attends. Tout de suite. Tu peux descendre là. Rentre un peu ton bras. Ah, c'est ce qu'on lui dit toujours. Putain, vas-y, le truc qui va bien avec. Descend. Oh là là, avance. Ça va loin. Encore. Par contre, je suis pas prêt là. Ouais, ça va loin là. Oh, ah merde. Oui, t'étais pas assez collé, ouais. Et les gars, arrêtez, vous vous concentrez là. Là, t'es pas mal. T'étais un peu pas à droite. Bien droit. Voilà, là tout droit. Tu redescends, JB, avec ce peu. Que t'as là. Ouais. Encore. Bon, là. Moi, avance encore un poil. C'est bon. T'es sûr hein? Ouais, là c'est bon là. Vas-y lâche. Hop, une fois. Lâche. Là voilà. Donc là maintenant j'attache, petit, c'est ça. Là c'est bon, j'ai attaché. Il va falloir le vider, je pense. Ouais, t'inquiète pas, je m'en occupe. Attache. Ah non, y a rien dedans le petit, j'ai rien vidé dedans. Ah bah je sais pas moi. Je sais plus. Non, je crois que j'ai dans le gros. Non, le petit il est vide, j'ai switché dedans là. Bon bah je vais l'emmener. Ouais, parce que enfin là je vais faire. Alors, où est-ce qu'il a attaqué là?
Allez Bruno, allez Bruno. Comme un con, j'ai pas branché ma manette, putain. Oh là là là. Bah bien sûr. Il est con celui-là ou quoi? Putain, je l'avais en bas, il voulait pas. T'as pas que t'as remis, c'est ça, non? Non, 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 non. C'est pas ça. C'est moi habituel l'entendre. Ah ouais. Il y a un moment qu'on l'a pas entendu. Hein. Yeah. C'est vrai. Tout à l'heure. Yeah. Bah, je peux te dire qu'aujourd'hui, je l'ai dit un paquet de fois, vu comme j'étais vénère. Ouais, bah ouais, mais ça va. C'est qui est dans la presse là? Moi. Ouais. Oh, je bombarde à 25 km/h. Bah bravo. Je connais rien moi. Net Ketsit. Ouais, t'es esprit. Ça veut dire quoi, tu m'excites? Non, ça veut pas dire tu m'excites, ça veut dire on n'a pas le temps de jouer. Ah d'accord. Pourtant on joue là. En même temps. Hein. J'aurais peut-être même pu en mettre 3 d'un coup. Normalement, tu peux prendre 4 balles avec ça. Ouais, mais bon, c'est. Regarde. Ouais, les amis, désolé pour la petite ellipse. Alors, du coup, Bruno, t'arrives ou tu t'en sors? Ouais, ou... ça marche. Ouais. Ça fonctionne quand je. Comme un hareng. Pourquoi un hareng? Hareng sort. Oh putain. C'est super bon du hareng et pomme de terre au four. Mais je sais, Bruno, JB, je viens de faire chier, je sais. Ouais, ouais, un petit peu. T'as vu que ça marche bien, hein, David? Effectivement. Bah je vais voilà. Passer voir après. Ah tu peux regarder. Bien. Ouais ouais bon c'était je pense voilà, faut il fallait les trouver la technique quoi. Bon on peut pas tout le filer non plus. C'est comme pour tout, il faut trouver la technique et voir qu'est-ce qui peut aller, etc. quoi. C'est en essayant les modes que voir si ça vaut ou ça va pas hein. Bah de toute façon. Hein. Là comme dit, apparemment comme disait JB, il fallait peut-être bien baisser les deux barres de chaque côté quoi. Ouais. Il ira loin ce petit. Ouais, comme dirait l'autre, bah non, je suis dans faire quelque chose. Le premier finira dernier ou l'inverse. Hein. On fout, je suis le dernier arrivé donc je finirai. Laisse pas se le mettre. C'est le mec. Mais non, mais ouais. T'étais le premier sur le chantier donc. Donc tu après, finiras bon dernier aussi. Il y a sa phrase fétiche. Hein, je m'en rappelle plus des jeux. Moi je sais qu'il aime bien avec ses jeux de mots pourris là, ça il aime bien. N'est-ce pas JB? Ouais, j'adore moi. J'adore Dior. Avec l'ingénieur, je sais plus comment il dit des jours, je m'en rappelle plus. Ouais, ouais. Quand tu n'es con, tu meurs pas ingénieur. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Oh là là, la balle en plein milieu, là, comment je fais pour vider, moi? J'étais pour te faire chier, ça. Ouais, regarde, tu vois, on va pas me faire chier longtemps. Et quoi, en train de se plaindre encore? Bah oui. Celui qui travaille le plus, qui se plaint le plus, quoi. T'as du boulot, c'est déjà pas mal. Ouais. Ah, ça va, ouais, t'en sors. J'essaye. Oh non, t'es nickel. Toi, tu fais pas trop de feu parce moi, que je touche à rien parce que je suis à 1600 ms. Hein. Non, t'es à 1600 ms. Oh là là. Bah, c'est pas mal. Ouais, je touche à rien. Je te plains. Oh, ouais, c'est une moyenne. Eh, là, je pète un câble, moi. Je prends la box, je la fous à la poubelle. Non, mais je bouge. Bah, ça arrangera pas la chose. Non, c'est pété, moi. J'ai mon wifi qui est branché, c'est pour ça. C'est parce que quoi? Son wifi est branché. J'ai wifi qui est branché. Ah bah c'est bizarre parce qu'on t'entend super bien dans Skype alors. Ah mais ouais mais moi je suis relié en filaire sur la box. Ah c'est ça que je te demandais tout à l'heure mais tu m'as pas répondu. Et la connexion Skype c'est moi qui l'ai aussi. Ah non c'est pas moi qui l'ai en fait là. Non c'est Val. C'est moi. Non elle est bien la connexion Skype. Ah si. Ah ouais franchement ouais. Non mais quand t'as un PC de branché sur le wifi du coup ça me tire sur la connexion, c'est normal. Ouais, donc du coup, dans ces cas-là, t'as le remède magique, c'est-à-dire débrancher la wifi, quoi. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui sont quand même emmerdés avec ça. Bon, du moment que ça gueule pas, ça va. Ouais, pas le choix. Ouais, aussi. De toute façon, maintenant... Comment veux-tu? Oui, c'est clair, un moment comment, donné. Comment veux-tu... Que je te... pipi. Ouais, voilà, je dirais pas la suite, mais voilà, quoi. Non plus. Ouais, mais on sait très bien ce que t'allais dire. Bip. Comment veux-tu que je t'en bip? Tu avances et puis recule. Voilà. Je vois ce tatou là. Ah c'est pas mal. Bon il y a mieux encore mais c'est plus cher. Ah ouais bah ça va, de toute façon la qualité a un prix. Hein. Allez c'est parti, je suis allé chercher le pickbot Bruno, comme ça je vais te filer un coup de main.
Ouais, vas-y. Je vais te les mettre deux par deux, moi. Non, je m'attendais à autre chose, moi, mais bon. Je vais te les mettre deux par deux et lacer ses chaussures. j'ai pas de lacets. Ah, t'es comme les gosses, t'es pas faire tes lacets, t'as des scratchs. Voilà, ouais. Non, il est pieds nus comme les Africains. Non, mais là, je suis à chaussettes. Hein. Il est pieds nus comme les Africains. Il doit te pire en éventail. Écoute-le, lui. Ouais, bon, on savait que Bruno, il avait deux jambes de bois. Ouais. Ça se voit quand il marche, il a pas besoin de boire pour marcher de travers. Regarde, il répond plus, c'est qu'il se sent visé. Non, mais je suis concentré, là. Enfin, plus concentré, mais... Oui, ça, c'est... Mais ça, de toute façon, c'est une évidence. JB dit plus rien. Faut aller me vider les bennes, s'il vous plaît. Parce que c'est de l'orge et je suis en train de faire du blé. Et je suis à 54%. Ouais, pas d'accord. Bientôt, je serai au chômage technique. Si tu l'avais dit avant, il y aurait possibilité d'anticiper. Je l'ai dit depuis que je suis parti du champ, en fait. D'accord. Ouais, tu l'as dit trop tard, quoi. Non, je l'ai dit à temps. Donc, tu n'auras pas ton augmentation, quoi. Ah, je m'en fous, de toute façon, j'en veux pas. De toute façon, je touche déjà de trop, alors. Si c'est pour payer plus d'impôts, c'est pas la peine. Dis rien, JB, si tu touches trop, tout le monde en aura. Ouais. Okay. Voilà. Non, bah maintenant, vous êtes baisé, bande d'idiots. Si pour sauter une tranche aux impôts, c'est pas la peine. Bah, attends, c'est du black, hein. Il va nous payer au black, hein, qu'est-ce que tu veux. Que dalle, ouais. Oh, moi, je vous fais pour vous payer à mort des impôts, moi. J'ai 5 400 000 sur mon compte, là. 491, exactement. Ouais, 491. Non, JB, connard, c'est le compte du patron, ça. Je m'en fous, je peux quand même acheter des choses. Mais moi, je peux te foutre un coup de pied au cul, te foutre dehors. Foutre un sacré pied, parce que... Un resto, là, je sais pas quoi, là. Bah là, pas. Je te paye même pas au resto, je t'achète le restaurant à ce prix-là. Ah bah c'est sûr. Ah non, mais ça c'est clair. Voilà. Les là. Putain, je pense qu'après peut-être qu'on pourra peut-être mettre au-dessus, hein, pour voir si ça déconne pas. Hein. De toute façon, moi, je te prépare les bottes, là, et je te les ramène, comme ça, t'as pas besoin de trop te faire chier. J'arrive avec une benne. Ça va, t'as descendu en... T'es plus fluide, oui. Ouais, 60. Oh, ça va, t'as coupé le bouton, là. Non, pas encore. Ah, t'attends le bon moment. Si ça recommence, oui. Mais ça, c'est... Si porno, ça prend beaucoup de connexion. Ah bah, oui. C'est une porn, c'est ça. Ouais. Ou un autre, hein. Attends, putain, maintenant on est obligé de citer plusieurs trucs parce qu'on n'a pas le droit de faire de la pub. Ouais. Pornhub. Kitty. Ouais, bah. Et puis quoi? Kitty. Voilà, comme ça on en aura cité 3. On va pas avoir de problème avec le CSA. Non, je suis en haut, David. Tu vois, il est perdu. Ah non, mais je le cherchais, mais. Bon, allez, ça va. Ça, c'était avant, ça. Ah mais c'était facile en même temps. Ouais, c'était avant, mais cela dit, il connaît toujours pas plus la map qu'avant. Tu sais qu'est-ce que t'aurais dû faire, Davine? Oh bah comment? T'aurais dû mettre la masse. T'as pas de masse, là? Non, t'aurais dû mettre la masse du 7000 qui est devant la presse. Ouais. Et mettre la masse sur le fent, parce qu'il n'a pas besoin de masse, hein, sur la presse. Hein. C'est pas faux. Ah parce qu'il dandine un peu le fent. Ouais, il faut que tu mettes une masse, hein. Je confirme. Il confirme la confirmation. Ouais. Je confirme. Ouais, c'est clair. Oh bah du coup, tu vois, ça va, ça t'aide quand même comme ça. Par contre, j'ai... Ah bah ça passe, hein. Waouh. Ça passe, hein, comme une lettre à la poste. Hein. Je suis rigolé, quoi, tout va tomber. Ouais, non. Mais toi, tu portes ta poste. Toi, tu prends rien, si ça tombe, je me ravais là-bas, je te coupe tes jambes. Et hier, j'ai pris la poste. Toi, tu lui casses les jambes et moi, je casse les deux mains. Ouais. Bah, on m'en fout, je pourrais plus marcher. Manger, pour David, et toi, tu prépares la broche et on le grille. D'accord. Ah bah, vous pouvez. Les gars, vous pouvez venir tous les trois en même temps. Attends, moi, je viens que le pic. Hein. Moi, je vous attends. Je vous attends avec que le 12, sûrement vous allez prendre du plomb en cul. Non, mais vraiment, le vrai 12, tu vas voir. Bah, tu peux toujours attendre avec le 12, hein, qui te dit qu'on vient pas avec un tank. Tout de suite. C'est clair. Bah, bon, bah, c'est pas grave. Quand l'autre, il a poursuivi l'autre avec son cher. Ouais. Tu vois, voilà, on va arriver. Nous. Ah, ce soir, il y a des machins. Il y a quoi émission, ce soir. Les déménageurs de l'extrême. Ouais, non, je vais pas. Oh là là, mais si j'ai envie de le regarder. Bah, je parle pour moi. Je parle pas pour toi.
Moi j'aime pas trop. Je préfère les bûcherons de l'extrême, ils font les bûcherons du marais, ils font plus. Là. Bah il y a eu un accident. Ah ouais? Ah oh, oui. Bah, oui. Apparemment il y a eu un mort. Je sais pas, apparemment il y a eu un mort, ouais. C'est qui? C'est quand même pas Bill. Non non, un mec du tournage qui est mort. Ah. Un caméraman ou je sais plus quoi. Oh. Si je veux pas dire une connerie, mais je crois que c'est ça. Ah ouais. C'est pas une bise sur le coin de la gueule quoi. Je sais pas. Pourquoi je peux pas mettre mes bottes là? Putain. Mais mets tes tongs. Oh non, putain, passe pas. Oh. Elle passe pas, regarde. Tu mets tes tongs avec tes chaussettes, ton short et ton Marcel. Ton Marcel plein ketchup. Elle passe pas parce que tu vois, il y a celle de là, elle me gêne. Celle d'en haut? Non, celle d'en dessous. Ah, je suis deg. Faut que tu les mettes un peu plus droite, c'est ça? Ah, attends, bouge pas. Ouais, tu remarqueras, les andins sont droits. Non, mais. Ah, bah tu oui. Je crois que j'en remets une rangée comme ça, carrément au milieu, plutôt. Moi, ce que j'aurais fait, franchement, j'en aurais mis. Faut qu'on peut en mettre une par une au-dessus, quoi. Enfin, ouais, on peut mettre une par une ou alors une rangée. Ouais, mais fous-y une rangée une fois. Ce sera peut-être bien. Puis on essaiera sur la route, on verra ce que ça donne, et puis voilà. La route, oui. On dira à David de rouler, comme ça, c'est un problème, c'est sa faute. Ouais, et je suis déjà partout. Alors, je m'occupe des baies, je m'occupe de la presse, je m'occupe du plateau, on va voir ça. Super polyvalent, David. Wow. La polycompétence, les gars. Tu t'occupes des baies? Des baines. Non, parce que t'as dit, tu t'occupes des baies, hein, donc c'est pour ça que. Des baines. C'est parce que je suis un peu rubé. Ah, parce que tu coupes des tu récoltes des myrtilles en attendant, d'accord. C'est pas la période pour distiller les schnapps. Hein. Non, ça c'est sûr. Hop, tac. Ça c'est fait. Ah bah ouais, bah alors attends, du coup il y a une benne là-bas qui sert à rien. Merde, il faut que je la raccroche au tracteur alors. Du coup, Bruno, toi t'es le chef technique des bottes, c'est toi qui décides où tu les décharges. D'accord. T'es allé décharger où, David, là, la benne? À la ferme. À la ferme. Du coup, ouais. Si tu te fais, c'est pour toi. Parce que je vais vider la deuxième remorque, c'est déjà. Bah tu verras, c'est tout à gauche. Ouais. Tout à gauche, c'est-à-dire quand tu vas venir arriver à la ferme, c'est à gauche. À gauche, ouais. Là, tu longes les bâtiments. Il y a un silo, de toute façon. Il y a un silo d'origine dessus. Oui, oui, voilà. Tu peux pas te planter. Je vais déjà trouver. Bon, de toute façon, t'as le trigger qui est indiqué, donc. Comme dirait l'autre, qui cherche, trouve. Mais je l'ai cherché tout à l'heure, aussi. Oui, non, mais toi, ça m'étonne pas. Le GPS il déconne chez toi donc. Je sais pas à quel fuseau horaire il est réglé ton GPS mais. Ah je sais pas ça. Elle bouge les bottes Valérien. Ah bon? Ouais elle bouge. Oh là là, putain. On l'avait dit. Ils sont en train de se barrer. Ah, on l'avait dit. Les gars arrêtez de porter la poisse. Ah non mais moi j'ai rien dit non. Moi je l'ai dit tout à l'heure. Je dis plus rien maintenant. Il y a les deux qui se barrent. Attends, je vais les repousser, tu vas voir. Vous allez pas me faire chier les bottes. C'est pas le quart d'heure. Voilà. Je les repousse. Voilà. Comme ça, ces deux-là, je vais pouvoir la mettre là. Bah, je sais pas où tu vois ton trigger, toi. Ah, là-bas. Ok, c'est bon. Là, maintenant, je le vois. Allez, moi, chat en chien. C'est quoi qui est ouais, en fait? Ouais, enfin, cela dit, je l'ai peut-être pas trouvé tout de suite, mais je l'ai trouvé quand même trois fois plus rapidement que toi. Hein. Ah, oui. Bah, c'est sûr, en même temps. Je savais pas où il était, moi. Voilà, impeccable. Pourtant, là, pour les bottes, on a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire, on a. Mais tu sais quoi, après, Bruno, pour le deuxième plateau, je vais quand même ramener le Brandtner. Ouais. Où il y a qui marche, bah celui-là chez qui marche bien, bah parce qu'avec JB on a chargé, on n'a jamais eu le moindre problème. Et pourtant, hein, JB on lui en a mis dans la gueule à celui-là. Hein. Ouais, et encore plus, tu peux même pas fixer les balles, mais les balles bougent pas. Ouais, ouais. Mais des fois, je me demande si c'est pas ça qui va foutre la merde en fait. Je sais pas. Le fait de pouvoir les fixer, tu vois. Il faudrait faire un système, tu sais, comme sur CS,
un système de sangle. Ouais. T'appuies sur un bouton, tu les sangles, les machines ne bougent plus, point barre. Ça c'est vrai, ça serait pas fou. Ouais, parce que c'est vrai que ça c'est vrai que c'est intelligent ce que tu dis. Ah bah je dis pas que des conneries. Hein. Oui, mais ça c'est vrai. Hein. Ah, y a personne qui a relevé. Hein. Si, si, t'inquiète, moi je relève toujours. La jupe. Oh là là. Tiens, t'as une deuxième benne JB si t'as besoin. Oh, c'est de l'humour. Humoule, je place les humoules. Bon, mais je fais quoi après ça, moi? Ah, tu les as mis comme ça, toi, d'accord. T'es un cinglé, toi, t'es un ouf. Bah, ça va marcher, non? Bah, je pense. Voilà. La parcelle... Attends, t'es où, toi, non? Je vais repousser un peu celle-là. La parcelle 56, c'est quoi? Bonne question. C'est pas du colza? Non, la 53, c'est du colza. Attends, voir. Pourtant, c'est attaché, hein, la charge. Bah ouais, mais regarde. Si, une klaxonne au cul, là. Ouais, d'accord. Bravo, David. Vas-y. Je peux pas trop y toucher. Parce combien, que David, 1050, là 92. Là. Je viens compléter. Tu sais quoi, moi, ce que je ferais, Bruno? Arrête de se planter là, j'arrive. T'en mets deux derrière, encore. Ouais. Et t'en mets, tu sais, au-dessus, mais pas l'une à côté de l'autre, comme t'as fait, tu sais, au milieu. C'est ce que je voulais faire, mais tu m'as dit que non. Si, je t'ai moi, je veux bien la mettre au milieu. Ouais, comme ça, ça met tout ce qui... ça met le reste du champ, là. Comme ça, après, ouais, on va tenter de la ramener à la ferme. J'ai bien dit tenter. Et après, on va foutre JB dans le merlot, comme si c'était des bottes. On mettra la sangle, hein, si on peut mais la mettre. Bien sûr, mais bien sûr. Mais toi, t'es un spécialiste des bottes, faut dire ce qu'il y a. Mais bien sûr. Toi, les bottes, elles vont retomber 10 fois, tu vas recommencer 10 fois. Moi, au bout de 3 fois, j'ai déjà jeté la souris dans le mur. L'agriculture, c'est comme la pêche, il faut de la patience. Oh. Ouais, mais sauf qu'en vrai, tu peux me dire ce que tu veux, JB, c'est quand même moins chiant. Ah bah, en vrai, en 10 minutes et un quart d'heure, t'as chargé un plateau, quoi. Ouais, voilà. Mais t'as pas les bottes qui ont des collisions et qui s'envolent. Ah bah non, heureusement, t'as t'imagines le truc de ouf, toi, sur la route. Qu'elle vole en l'air. Là, tu dis, c'est bizarre. Hein. Les bottes, elles volent. Oh putain, j'imagine. Toi, t'aurais pas joué au farming, par exemple. T'as Joseph qui suit en mobilette, il se la prend sur la gueule. Ouais. Ça, j'imagine bien, ouais. Ou alors Sodium avec 188. Quoi? Sodium. Ouais. Et une motobécane, une 88. Oh, bah, ça marche. Ouais. C'est incroyable. Ah, c'est clair. Ça devrait marcher. Moi, je connais quelqu'un, il a foutu de l'éther dans le réservoir, il a roulé avec ça, il a remis de l'essence après, ça avait pas crevé. Non, ça m'étonne pas. Moi, j'ai un copain, il a fait ça dans une RCX, sauf que quand il a roulé, la machine a pris feu, il a dû sauter en route. Ah, c'est pas étonnant. Pas mal, hein. C'est pas étonnant. Pas mal. Pour que ça prenne feu. Il a fait une pointe, hein. Tu m'étonnes. Oh, fallait le diluer. Faut le diluer à l'essence, faut pas rouler pur, c'est même pas la peine, ça te pète à la gueule. Bah, je crois qu'ils avaient dilué, mais mobilette pas assez. Qui prend du 80, tu mets ça dedans, boum, 120-130, mais ça dure quelques secondes et après c'est mort. Bon, bah, de toute façon, tu flingues segmentation, moteur, enfin, tu flingues tout. Là, tu flingues tout. Un bail. Et y'a pas besoin de chercher à discuter, là, tu niques tout. Là. La combustion est trop sèche alors. Non. Ou alors, tu fais comme un pote qui l'a fait, il a foutu de l'éther, sauf qu'au lieu de mettre 3% d'huile, il a foutu 8% d'huile dans le réservoir. Aïe, aïe. Mais elle a tenu le coup, hein. Je pense que c'est peut-être grâce à ça aussi que. Le moteur a pas tout de suite pété, tu vois. Non, franchement, ça a tenu le coup, j'étais même épaté de moi, hein, de son truc. Là, tu veux que je mette au milieu maintenant? Que au milieu? Bah ouais, comme ça a fini le champ, tu vois. Ouais. Il y en a encore deux là-bas qui traînent. 2, 4, 5. Bon, si j'ai du coup, ça c'est fait. Bah, je sais pas où est-ce qu'il y a encore un... Derrière, c'est un champ JB là, de blé ou quelque chose là? Non, derrière nous, le 53, derrière toi, c'est un colza. C'est un colza. Et le 46 aussi, apparemment. Ah oui. Ouais. Bah, écoute, à la rigueur, si tu veux. Je suis en train de réfléchir. C'est quoi celui-là là? Je sais pas si c'en est pas un, quand même, hein, le 54.
Ah non, pas 54, attends, je suis où moi? Et au sein, je sais même pas où qu'elle était. Non, mais là, si ça, c'est 54, 53, ça serait bien un blé. Hein. Non, 53, non. C'est un colza. Un colza. 56 ouais. Je vais aller voir. Ça doit être. Ah, le 56, ça doit être un blé. À la couleur. Je vais te dire ça. Gorge. Ouais, c'est une des deux cultures, ouais. Le 56, ouais. Bah écoute, à la rigueur, je vais te remplacer si tu veux. Je vais moissonner un peu le champ là, et puis après, je pense qu'on arrêtera là après. Comme ça, tu peux filer un coup de main à Bruno, pas qu'il devienne cinglé le pauvre. Fais gaffe, j'ai pris soin. Ouais. T'inquiète. Moi, j'ai il est où là, Bruno là Bah à la rigueur, faut peut-être que tu voyes JB. Peut-être que tu mettes, que tu prennes le 6930, et puis à la rigueur, David, tu ramènes le Dutz, tu sais, pour mettre après ouais. La remorque. Parce que d'accord. S'ils ont pas de chargeur, ils vont pas aller très loin. Hein. Non, c'est sûr. Je te pose la remorque et puis je vais te la poser au boulot. Ah, oh, tu peux pas, la laisser là parce que j'ai de la traîner. Ah non, ça bouge pas. Essaye. Elle a peine, je la laisse là, non. Ouais, David, il va chercher le petit Dutz. Et il s'occupe des bennes, David. T'inquiète, il gère les bennes. Je pourrais lui en mettre 10, il les gère, t'inquiète. Ok, demain. T'aides pas quand même, hein, dis donc. Sauf si son GPS fout le camp, quoi, naturellement. Ah, c'est ça. Je ramène le doute. Moi, c'est ce que je dis toujours, bien sûr, à prendre ironiquement. Quand tu sais, des fois tu picoles un peu et puis tu roules après, mais bien sûr, boire raisonnablement. Ça. Non, quand même pas. Ça, Et ben, il me disait, t'es sûr que tu vas bien réussir à rentrer? Alors, moi, je dis toujours, t'inquiète. Okay. Moi, je dis toujours, t'inquiète. Ah, tiens, des balles. La 306, t'appuies sur un bouton. Elle te ramène à la maison, mais le problème c'est qu'elle roule toujours. Attends, parce que ça glisse là. Mais non, ça glisse. Là, je vois. Après, Bruno, tu sais ce qu'il y a des fois de bizarre non. C'est que des fois, toi tu vois un truc glisser que moi je vais pas voir glisser et vice versa. Ouais. On avait déjà fait une fois le test, c'était sur quelle carte quoi, sur Two River. Non moi, apparemment, bah oui, David, toi tu voyais JB glisser, moi je le voyais pas bouger. Ouais, mais c'est ça, ouais. Problème de physique. Ouais. Toujours le même problème quoi. Alors le petit avantage pour ceux qui savent pas du drive control, ça c'est JB et Bruno qui me l'ont appris, c'est que quand tu es en vue extérieure, t'entends plus fort la machine et quand tu te mets en vue intérieure, ça réduit le son. Mais par contre, t'as vu, ça le fait pas au 72-80. Non, ça ne le fait pas. Alors ça que c'est un mode d'origine. C'est quand même bizarre que ça ne le fait pas. Pourtant, parce que ça le fait même dans 6930 et tout. Hein. Alors que ce mode là, il est fait pour celui-là, tu vois. Ah ouais. Allemand. Je sais pas. C'est ça que je me la fausse, hein, je suis sceptique. Ouais, mais après, bon, c'est aussi encore qu'une bêta le tracteur. Alors, il va y avoir des modifications importées, je pense. Hein. Moi, j'espère, ça serait mieux. Lequel? Le 7280. Il est pas fini. Hein. Bon, c'est comme le 1050, hein, c'est qu'une bêta pour l'instant. C'est pas une bêta le 7280. Si. Non. Ah, si. Non, c'est une V2. C'est une bêta. Il a bien V2. Précisé que c'est une bêta. Il est marqué bêta. C'est une V2. Marqué bêta. Il l'a sorti et il l'a appelé V2 bêta, c'est vrai. Ouais. Bah c'est V2 aussi. Quand même. Peut-être, mais il est marqué bêta aussi. Bah donc, ouais. Il fume le mec. Quoi Bah appelé une V2 bêta. Bah. Une bêta, normalement, c'est le tout premier modèle que tu sors. Ah bah. Donc tu l'appelles pas V2. Bah, je sais pas. Il l'appelle comme ça. Bah il fume. Fume le calimet de la paix, le mec. N'empêche que peut-être qu'il fume, mais il est quand même pas mal ce tracteur. Hein. Ah oui, mais je dis pas le contraire. Ah oui, il est très bien, franchement. On en met plus après, là. Bah non. Hein. Moi, je pense que vous pourrez décharger, à mon avis. Ouais, bah moi, je vais partir avec mes. Je vais lui mettre les bottes là. Ouais, je vais mettre plutôt dans l'autre champ. On va aller dans l'autre champ après. Je vais pouvoir. De toute façon, tu repars avec le tracteur, toi, là, ou c'est moi qui prends le plateau? Oh merde. Tu prends le plateau ou tu prends le plateau? Tu peux le prendre. Ouais, parce que t'as pas envie de te faire chier avec, quoi. Bon, non. Si je veux, je le prends, mais bon. Non, mais je vais le faire. Hein. C'est des bottes, les bottes sont attachées là. Prends-les tes deux bottes pour aller à la ferme. Non, je vais les mettre derrière. Ah là 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 là. On part pas trop, faut qu'on part bien, bien plein. Ouais, mais bien plein, il y a déjà deux fois plus haut que la cabine. Ouais, attends, pire que ça. Bah, JB, arrête, dans la réalité, t'en foutrais même deux sur la cabine du tracteur. Ah ouais. Oui. C'est tout. Fais gaffe, ouais. Lâche-le. Non, parce que si je le lâche comme ça, côté. Faut que je remette là. Ils sont attachés, les bottes, là.
C'est étonnant, ouais. La barre de coupe, elle est dégueulasse alors que la machine, elle commence à peine. Là, c'est, ça sent le fail, c'est quand on va monter des barres. Bah, ne les monte pas, les barres, peut-être. Aïe, mais je vais pas pouvoir rouler comme ça, hein. Voilà. J'essaye ou quoi? J'essaye. À la rigueur, essaye, tu sais quoi? Roule comme ça, doucement, ouais, pour être sûr, et quand t'arrives à la ferme, tu essayes de les monter. Comme ça, ça si marche, admettons, ça tombe... Ouais, ça marche, mais attends, bouge pas. Si admettons, ça tombe... Stop. Attends, bah, laisse-moi. Vas-y, vas-y, monte, monte, monte. Ouais, nickel, superbe, les gars. C'est bon, ça a marché. Dans le truc. Monte dans le merlot. C'est bon, là, encore? Ouais, vas-y, monte, 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 monte. Vas-y, moi, vas-y, nickel, regarde-moi ça, c'est ça qu'il fallait faire. C'est bon, là, bah, vous avez monte dans le merlot. Oh putain, JB, qu'est-ce que tu nous as fait? J'ai rien touché, moi, je suis monté dans le tracteur. Ouais, voilà, ça se perd. Fallait pas les monter, les verres. Bah si, mais regarde, juste à la hauteur des deux, quoi. Y'en a trop. Regarde, ça redescend, là. Ouais, vas-y, tu peux y aller. Ouais, vas-y, roule ma poule. Putain, je suis dégoûté, en vérité. Si j'en perds, tu récupères derrière moi. Ouais, non, tu peux pas en perdre. Là, il faut mettre juste sur la hauteur des barres. Ah bah... Sur finesse, deux hauteurs, quoi. C'est même pas la peine, c'est... Bah si, c'est la peine. Ouais. Si t'en mets juste sur deux hauteurs... Ouais, bah à ce rythme-là, on va prendre le branteneur qui est un peu plus petit, mais au moins tu peux foutre 4 hauteurs sans problème. Putain, je suis deg. Bon, si vous arrivez jusqu'à la ferme, c'est bien. C'est déjà ça. Je pense putain, que sera... j'ai pris mauvais chemin, mon dingue. Putain, JB. Et JB se plante de route et tout, la totale. Oh non, voilà. C'est bon. Ouais, bah, c'est quand même dommage que tu peux pas monter plus haut. Hein. Ouais, bon, après. C'est pas un HLM. De toute façon, toujours plus haut, toujours plus grand, les gars. Comme la chanson. Oui. Toujours plus haut. Toujours plus haut. Mais bouge pas tes bottes, hein. Ah non, elle bouge pas. Ouais, mais si un mec sort de hauteur, t'en mets combien là? Bah 2, 4, 6, 8, 10. Normalement. Si tu vois, regarde, ils bougent les bottes. La rampe, je crois, faut pas la remonter à fond. Ouais. Ouais, je pense. Après. À moitié? Ils glissent en dessous. Ah, c'est ce que j'avais dit tout au début avec Bruno. Ouais, c'est quoi? Regarde, ah, j'ai perdu une botte. Et voilà. Et roule moins vite. Bah, roule moins vite, je roule à 10. Bah tu trouves. Ils se continuent, ils vont se taper sur la gueule. T'es trop vite déjà. Bah je suis trop vite, bah attends, je roule à 2. Bah voilà. Ça y est. Ils vont finir par se taper sur la ça gueule. Ça y est, hein, je suis à 2. Hein. Bah roule à 2, moi elles bougeront pas. Bah je suis à 2, mais j'en ai perdu une. Bah voilà. Bah je roule à 0 alors. Ouais, je vais rouler à 40. Avec l'effet de vitesse normalement. Ouais, 40. On les met où les putains de bottes là? Bah où tu veux. Oh putain, j'en ai encore perdu une. Non mais arrête toi là. Oh. Bah je l'ai perdu juste devant la ferme. Le petit poussé. Moi j'en ramène 4 là. En fait, ça tient mieux sur le godet que dans le plateau quoi. C'est ce que j'étais en train de penser là en fait. Ouais, ils vont nous sortir un plateau nickel, non? Personne? S'il vous plaît mes gens. Baudeur. S'il vous plaît. Ceux qui regardent. Regarde l'état du machin. Regarde l'état. J'en ramène 4 là. J'en ramène 4. C'est quoi? Achète après JB, t'es admin. Hein. Oh là 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 là, le train. Parce que là, il est en train de péter un câble. Oh là là, belle, la remorque elle s'envole. Oh là là. Ouais, bon bah. Oh, c'est bon, bah, on n'a pas besoin de décharger les plateaux. Putain, je suis dégoûté. Ouais, bon bah. Faudra virer cette remorque. Ouais. Et encore, heureusement que c'était attaché. Hein. Ouais. Ça JB, tient achète sur, l'autre. Tu veux que je te l'achète? Non mais attends, j'hallucine. C'était pas attaché. Mais si, c'était attaché. Non, c'était pas attaché. Moi j'étais dedans, bah c'était attaché. Hein. Ah, mais c'est parce qu'il y en a un. Nous on attache, l'autre il va pas voir qu'elle est attachée comme quand on éteint un tracteur. Pareil. Ouais, donc c'est pour ça que c'est peut-être mieux de prendre l'autre plateau, comme ça t'as pas besoin de te poser la question attaché ou pas, quoi en fait. Oh là, dans l'état. T'es où là, JB là? Bah, je suis parti. T'es plus à la ferme? Va chercher l'autostack. Ouais. Non, je vais acheter l'autre plateau. Non. Je te le réinitialise, attends. J'ai pris l'arc puissant. Je t'ai réinitialisé le plateau, l'autre.
Parce qu'il faut quand même qu'on essaye celui-là pour savoir si... Bah, il en faut deux. Hein. De quoi? Bah, deux plateaux. Pourquoi il te faut deux plateaux? Bah, parce que moi, une fois que tu l'es chargé, je l'attelle derrière mon tracteur. Ouais, avec un plateau, on va pas aller loin. Il est pas gros, ouais. Hein. Ouais, mais attends, je t'en achète déjà un pour que vous essayiez. Tu vois? Ouais, ouais. Ok, et, ça marche. Et puis, si tu me sers, si tu me dis, ouais, c'est bon, bah, j'achète le deuxième, et voilà, quoi. Apparemment, il y en a un autre qui est sorti comme ça, un Brentner le même, sauf qu'à l'arrière, il y a double roue. Ah, deux essieux, hein. Ouais. Mais c'est sur la base de celui-là. Bon, je sais pas ce qu'il donne. Encore sceptique là-dessus. Là. Ah, comme la fosse. Ouais. Ah, ouais. Ah, une... C'est lui qui m'a envoyé un message Skype encore. On peut pas être tranquille deux minutes. Il y a une botte qui... Il y a deux bottes par terre. Hein. Non, mais attends. C'est normal que quand je sélectionne la masse, ça me décroche la benne, et quand je sélectionne la benne, ça me décroche la masse. Ça me le fait aussi, t'inquiète. Oh là là, mais j'ai perdu plus de bottes que ça sur la route, non. T'as vu l'état? Non, pour l'instant, j'arrive. Regarde là, devant la ferme, là. Oh, ah, le massacre. C'est un carnage, hein. Et on met ça où, là? Tu l'as regardé. Où vous voulez. Ah, mais non, c'est le double essieu, déjà, celui-là. C'est le double essieu, déjà? Ouais, c'est parce qu'il doit être plus grand. Ah ouais, peut-être, ouais. Alors là, j'arrive avec le plateau Brentner. Attention. Bah là, on est dans le vieux plateau en bois. Tu vois, il met 4 balles avec son merlot, il bouge pas. Ah, c'est ça. Bah attends, allez, sinon... Moi, je me casse, Bruno, hein, je te laisse là. Bah ouais, t'as foutu la merde. Bah non, j'ai rien foutu la merde. Hein. Je peux rien, moi, si ça bug. Bon, je les mets là. Ouais, mais les oxy que j'ai mis là, oxy qu'à l'herbe. Ouais, je les mets là le long du champ. Tu l'as, toi, il marche sur le serveur, le... Le en garde place à Frabel, la paille. J'en sais rien. Normalement, si, il marche, hein. Normalement, hein. Faudra le mettre, celui-là. Il est pas mal. Moi, j'ai trouvé un défaut, mais je veux pas le dire, parce que sinon... C'est incendie. Tu le diras hors vidéo et c'est tout. Ouais, ouais. Et là, mais j'ai perdu combien de bottes là en fait sur tout le chemin là. Oh, tu avais le plateau était vide. Non, mais c'est ça quoi en fait. Ah, je peux peut-être éteindre le tracteur parce que. Oula. Ça sert à rien qui tourne comme ça. Hein. Oh là là, bah j'ai pas. J'ai plus que 136 litres dans le John Deere. T'as eu sus, hein? Ouais, c'est vrai. Suce pas de la glace, lui. Moi, je vais ramener la CR. C'est parti. Je vais ramener la CR tranquille. Comme ça, elle est rangée. Puis après, je vais voir le carnage. Je pense qu'il y a de quoi faire, quoi. Tu vas rigoler. Non, bah, j'imagine. J'imagine bien, même. Sinon, le merlot marche bien quand même. Ah ouais, il fonctionne bien. Enfin, le merlot, lui, va bien. C'est le reste qui va pas. Là, on a un problème, là. Non, mais on a un problème réel. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'il a? Ouais, switché dans le John Deere, là. Et dites-moi si vous voyez les ballots bouger. Non, mais... Moi, je les vois pas bouger, Maurice. Hein. Bah, moi, je les vois bouger. Alors, je sais pas, Bruno... Attends, je les. Non, moi je les vois pas bouger. Hein. Ah, ils bougent pas. Et il y a deux secondes, ils bougeaient. Bah, ils bougent pas là. Moi je t'assure que calés. Je les vois pas bouger. Hein. Ils sont calés. Ils sont calés, ouais. Ou c'est peut-être. Tu sais, des fois la désynchro ça fait. Beaucoup de choses. Ouais. Bah, bon, qu'est-ce que tu veux. Bon, la CR, je vais la laisser ici en attendant. Voilà.
Parce que de toute façon, on va devoir nouveau moissonner avec plus tard. Ouais. Ça lui va bien cet endroit. Elles sont 59. Bon, bah du coup. On va ramener les bennes. C'est parti. Comme ça, je peux aller à la ferme et contempler le désastre. J'ai hâte de voir ça aussi. À quelque part, j'ai hâte sans avoir hâte, c'est normal. Bravo, ça vous fait rire la souffrance des autres. Hein. Ah, bah ouais, hein. Hein non, nous, mais hein. T'inquiète pas, je sais ce que c'est. Hein. Hier sur Westbridge, je l'ai aussi eu cette souffrance. Ça sera drôle. On a eu ça aussi hier, ouais, c'est ça. T'inquiète, on l'a eu la souffrance hier. Ouais, t'es un peu dégoûté. Qui s'envole avec le Duds là. Moi ? T'as l'impression qu'il a pas de devant ce Duds là. Quand je te voyais au loin, tellement qu'il est plongeant. Ouais. Bah moi t'as une bonne vue dégagée avec. Ouais, bah bon, que veux-tu ? Le pont de la mort là. Ah, ah là aussi. Ouais, il y a deux bottes là, ouais, d'accord. Non, une. Ouais, bah tu vas voir plus loin. Ah ouais, il y en a trois. Même pas passé. Ah, ah ouais, d'accord. Tâche même pas l'envers, regarde. C'est chiant ça. Attends, je vais le décrocher. Peut-être le pousser, non? Attends, logiquement, celui-là, je peux accrocher comme ça. Ah oh bah putain, là, le timon, il est trop bas, fait chier. Alors, attends. Voilà. Ah bah, ils ont attaché. Voilà, là, tu peux y aller. Ouais. Bon, tu sais quoi, franchement, Bruno? Quoi? Moi, je les aurais carrément foutus sur la dalle en béton là. Tu crois? Ouais, ça au moins elles auraient été droites comme ça. Tu vois? Parce que de toute façon, on va pas remplir. On n'est pas prêt de les remplir ces silos là. Hein. Oh là là, le boulot. Enfin bref. Bon bah écoutez, nous les amis, je pense que sur ce, on va se laisser. On va essayer de corriger le carnage de notre côté. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut. Salut.